Salut à tous. Alors, aujourd'hui, on va réparer un GPS TomTom qui a, comme on le voit, reçu un mauvais coup. Donc, c'est un TomTom Start 40. Première chose à faire quand on voit ça, c'est déjà le brancher afin de définir si c'est l'écran en lui-même qui est foutu ou si c'est juste la partie tactile. Donc, on va le brancher. Comme on voit, l'écran fonctionne très bien, pas de problème pour ça. Et c'est juste que l'écran tactile, la partie tactile ne réagit pas. Voilà, je peux appuyer où je veux, rien ne réagit. Donc je vais procéder au remplacement du digitizer, juste la partie tactile de l'écran. Donc pour l'ouvrir, je ne sais pas trop. Je vois absolument aucune vis. On va y aller au tournevis. Voilà, j'ai un début. Donc voilà, on fait attention en ouvrant. On voit que l'écran est maintenu par sa nappe. Ce connecteur, pour l'enlever, il suffit de remonter ce clip-là. On va monter cette bague. Voilà. Et l'écran s'en va. Après, pour sortir l'écran de son support, c'est pas compliqué. On voit les clips des côtés. Voilà. Et là, on peut voir clairement la partie LCD, la partie écran, et la partie en vert au-dessus, qui est la partie tactile, réception tactile, qui est dans ce cas-là endommagée. La partie tactile, comme on voit, est collée sur l'écran LCD. Et là, il s'agit de l'enlever, de le décoller sans endommager le LCD. Voilà, la partie tactile est complètement décollée et dessoudée. Je vais faire un petit nettoyage des résidus de colle et puis on se revoit après avec le nouvel écran et on va le mettre en place. Alors voilà, j'ai reçu le nouvel écran tactile simplement par la poste. Donc il arrive très bien emballé. Et voilà. Voilà qui est collé. Maintenant, on va procéder à la soudure de la nappe. Et donc là, j'ai étamé les deux parties. Il suffit de les mettre face à face et mettre de la soudure entre. Voilà, c'est soudé. Alors évidemment, avant de remonter, on va essayer. On verrouille un côté, puis l'autre. Et c'est le moment d'essayer. Il réagit. On peut enfin enlever le protège-écran. Et voilà, un GPS tout neuf. Je fais quand même un dernier essai. Il marche impeccable. Voilà, moi je vous dis salut et à la prochaine.